Skyrim by Psyclo. Je suis niveau 8, nique ta mère. Quoi? Sorcier! Venez vous battre! Oh mais il y a du sang partout là, c'est dégueulasse. Souffre! Il y a beaucoup de sang quand même. Hein. Vas-y bats-toi. Il va où mon cheveu? Quoi? Mon dieu mais vous êtes trop fort! Moi je suis plus fort que vous. Tout ce qui est tailler l'herbe c'est mon métier. Donnez-moi vos objets de valeur ou je vous étripe comme un poulet. Bah écoute, ok. Bonjour. Si vous voulez entrer à Fayez, empruntez la porte nord. Celle-là est fermée. J'ai la ferme intention de passer par là, écartez-vous. C'est le meilleur moyen de se retrouver la tête sur le billot du bourreau. Du coup tu me laisses passer ou quoi? L'intimidation n'a absolument pas marché. Avant d'entrer à Fayez, arrêtez tous me parler. Pour le privilège d'entrer. 134 pièces d'or. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Je fais tellement mal au cul. Laissez-moi vous ouvrir la porte. Vous voulez dire que vous l'avez volé? Pourquoi? Pourquoi me faites-vous cela? Eh, m'en bats les couilles. Qu'est-ce qu'il dit lui? C'est un signe. Un signe que Dame Mara est mécontente de votre état d'esprit. Arrêtez de parler tous en même temps. Tous des putains de pipelettes. Je serai au marché toute la journée, de 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Sur énergie. Pardon. Non! Non! Qu'est-ce que tu regardes? Je travaille à l'hydromellerie Ronce Noire, mais là je suis en repos. J'y serai demain matin. Pourquoi tu nous racontes ta vie, toi? Bien. Attendez ma diversion et montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Tout le monde, rassemblez-vous! J'ai dit tout le monde! Des êtres... s'il vous plaît, attendez que j'ai fini pour poser vos questions. Mais t'as dit tout le monde! Mes sources. Mais je vous promets... Mais oh, va mieux parler, elle. Oh, vous êtes qui? Tu me fais peur. Regardez. Madame, arrêtez de m'observer! Ça fait peur! Qu'est-ce que tu veux, toi? Si vous savez ce qui est bon pour vous, allez-vous-en! Ma petite, tu vas rien comprendre, je vais te voler tout ton établi. Hop, hop! Tu m'as vu? Oh merde! Le problème est votre mépris des lois de cette région. Nous allons vous traduire devant la justice du Jarl. Tenez, je vous donne de l'argent si vous voulez. Pas bête, mais suivez-nous. Nous garderons tous les objets que vous avez volés et vous pourrez partir. Après avoir payé votre libération, bien sûr. Ah, putain, je me fais dépouiller. Bon, au moins, vous n'avez rien fait de stupide. Oh, ferme ta gueule. L'or est partout, il n'y a qu'à se servir. Mais tout le monde se sert sur moi depuis tout à l'heure. Ah-ha. Mais moi aussi, je sais le faire. Ah-ha. Désolé, Lydien, mais bon, il a attaqué mon ego quand même. Je suis vraiment un putain de génie, ok. Vous n'auriez pas dû vous mêler des affaires, les patrons. Oh merde! Je suis désolé! Quoi? Généralement, je vise mal, mais alors là, gros, ça, c'est ce qu'on appelle du headshot. Oh fuck! Non, 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 qu'est-ce que tu fais, gros? Non, non, arrête! Ce n'est pas si bien que ça. Mais quoi? Putain, mais on va avoir toute la ville au cul maintenant! Putain, mais t'es vraiment qu'un vieux con, t'as foutu la merde! Bon, par contre, faut que je t'avoue un truc. Ça me fait vraiment mal au cul d'avoir laissé Lydia pour un vieux. Hein. Je suis un peu sourd de l'oreille droite. J'ai dit. Non, laisse tomber. Mais dégage la poule, allez. Oust. Et merde. Putain, mais sérieusement, vous donnez vos vies pour une poule? Attendez. Regarde. True in the cut, hey, you want us, run when I tell a bit peace. Love is love.